Bonjour, je suis Lubin. Et je suis Clara. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet sur les crevettes d'eau saumâtre, les Artemia salina. Nous allons nous intéresser à l'impact du changement climatique sur des espèces des Artemia salina, l'écosystème et la biodiversité qu'elle affecte. Mais que sont les Artemia salina et dans quel écosystème s'en sert-elle? On les trouve dans le Grand Lac Salé en Utah, qui est actuellement face à des problèmes climatiques. La combinaison du changement climatique et de l'urbanisation contribue au dessèchement du Grand Lac Salé en augmentant la salinité et température de l'eau. Les Grands Lacs Salés abritent un riche écosystème, des 1645 espèces formant ensemble avec plus de milliards d'animaux et des plantes. Les Artemia salina sont des petits crustacés qui ont existé depuis la période du Trias et ont très peu changé depuis lors. Nous avons trouvé que ces crevettes étant un des premiers maillons de la chaîne alimentaire, peuvent bien représenter comment la biodiversité et l'écosystème vont être affectés par le réchauffement climatique. Nous nous sommes donc demandé comment le changement climatique affecte-t-il les crevettes de Sumatra, Artemia salina, un maillon important de la chaîne alimentaire, et quelles implications cela a-t-il sur la biodiversité et le fonctionnement de l'écosystème? Nos deux hypothèses sont que, premièrement, les conséquences du réchauffement climatique, les hausses de température de l'eau, vont affecter la survie des crevettes de Sumatra. Notre deuxième hypothèse est que la diminution des niveaux d'eau qui augmente les taux de salinité va aussi impacter les Artemia salina. Pour élever les crevettes, nous avons reparti 6 sachets d'œufs dans 6 aquariums. Et on a mesuré 3 salinités différentes. Malheureusement, les crevettes ne sont jamais nées. Avec un regard critique, nous avons conclu que les niveaux de salinité étaient très extrêmes et auraient pu être un facteur du fait que les œufs n'ont pas éclos. Pour notre deuxième essai, nous avons changé plusieurs choses. Premièrement, nous avons décidé de ne pas mettre les œufs dans des conditions anormales. Nous avons décidé d'attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à la phase juvénile pour nos deux expériences. Nous avons vu toutes les phases de la crevette, des œufs, cystes, larves, juvéniles, adultes. Pour notre première hypothèse sur la température, nous avons décidé d'étudier les effets de différentes températures d'eau sur nos crevettes. On sait que le réchauffement climatique a causé une hausse de la température. On veut tester la résistance des Artemia à différentes températures d'eau. Pour cela, nous avons pris 3 échantillons de 10 crevettes et nous les avons mis à 3 températures différentes. Après quelques jours, nous avons observé plusieurs changements majeurs chez les crevettes. À la fin de l'expérience, les crevettes du lot témoin ont grandi jusqu'à 7 mm. Dans le milieu chaud, il avait entre 4 et 4,5 mm. Alors que dans le milieu froid, il restait avec 3 mm. Nous pouvons voir que les crevettes ne peuvent pas supporter ces températures extrêmes. Dans le froid, leur métabolisme est plus lent, en faisant que l'Artemia ne grandisse pas, ne bouge pas beaucoup et ne réagisse pas aux tests des vivacités et à la nourriture, en n'ayant pas assez d'énergie pour survivre. Dans le chaud, nous pouvons voir que son anatomie n'est pas adaptée à des hautes températures. Comme on a pu constater avec ses lames faites de crevettes mortes, son corps a éclaté. Comme on peut voir l'intestin rompu, leur appendix thoraxique et leurs antennes sont fragiles. Comme les températures ont tendance à augmenter, on peut penser, d'après les résultats de nos expériences, que le réchauffement climatique aura un impact sur les Artemia salina et donc sur l'écosystème autour du Grand Lac Salé en Utah. Puis, nous allons tester notre deuxième hypothèse sur la salinité de l'eau. L'évaporation du lac semble imminente. À ce rythme, le lac pourrait disparaître entièrement en seulement 5 ans. Cet assèchement signifie que le taux de salinité devient de plus en plus élevé. Cela impacte la vie à l'intérieur du lac, notamment les Artemia salina. Donc, nous avons décidé de tester la résistance des crevettes à la salinité. On a mis 3 couples sains et jeunes dans chaque échantillon. Dans le 3 g par litre et dans le 100 g par litre, les crevettes sont mortes après quelques temps. Ainsi, on constate que la variation de la salinité impacte beaucoup les crevettes. Le niveau de sel dans les salinités trop basses n'est pas suffisant pour la survie des crevettes. Mais, dans des conditions trop salées, les Artemia salina sont en stress et meurent. Donc, les hausses et les baisses du niveau d'eau auront un très grand impact sur les Artemia salina, qui peuvent disparaître entièrement. Et donc, affecter la chaîne alimentaire et l'écosystème auquel elles appartiennent. Pour conclure, notre étude sur les Artemia salina, dans le contexte du réchauffement climatique, a relevé des résultats significatifs et des implications profondes pour la biodiversité et la santé de son écosystème. Ainsi, on peut comprendre que le réchauffement climatique a des conséquences directes sur la biodiversité d'un écosystème. Et que même une espèce très petite peut affecter l'écosystème sur une grande échelle.